Bon, il y en a qui attendaient la vidéo avec impatience. Alors là, j'en ai plein le cul. Voilà, je dois vous le dire. Mais alors, plein le cul. Hein? Voilà, alors aujourd'hui, je fais la vidéo. Voilà. Parce qu'il y a des espèces d'enculés qui vont marquer des messages sur TripAdvisor. Alors, vous irez voir sur TripAdvisor au Moulin de Saint-Aigulf. Ah, voilà. Ça fait le troisième message que j'ai. Magnifique. Donc, ils se prennent tous pour des grands chefs. Ils se prennent tous pour des Philippe Etchebest, des mecs du guide Michelin. Alors, le magret de canard, c'est un quart de magret de canard. Non, monsieur. Un magret de canard coupé en deux, grand chef, c'est un demi. Ça fait pas un quart chez moi. Donc, moi, je mets un demi et pas un quart. Premièrement. Deuxièmement, la crème aussi, citron bergamote. Bah oui, elle a le goût de bergamote, espèce de trou du cul. Hein, forcément, puisque c'est du citron à la bergamote. Donc moi, j'en ai plein le cul. Ça, c'est un message pour tous mes amis restaurateurs qui en ont marre de ces putains de messages sur TripAdvisor à la con. Ok? Si c'est pas bon, c'est trop cuit, c'est nani. Ok, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais fais pas des critiques à deux balles. À deux balles. J'en ai plein mon cul. Voilà. L'hôtel arrive, ouais machin, les saveurs, il y a un message, vous allez voir, les saveurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est moi, si ça te correspond pas, les saveurs, arrête de dire machin, truc bidule. Les saveurs, on s'en bat les couilles. Hein, c'est mes saveurs, c'est ma cuisine. Si t'as dit dérange, t'es pas obligé d'aller sur TripAdvisor pour le marquer, des putains de saveurs. Mais sans déconner, il y a un moment donné, faut arrêter là, vous prenez pour quoi là? Vous avez tous un thermomix chez vous là? Ça y est, vous prenez pour des grands chefs? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous, bande de gros nazes. Oui, je suis énervé, là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Vous m'avez cassé les couilles, tous. C'est pas vrai, Enrique? Voilà, lui, Enrique, il est fâché aussi, là. Là, lui, c'est un espagnol, lui. C'est un malade. Il va tous vous trancher la gorge. Eh oui, hein,